Toi seul et les désirs
Paradis. Gloire à Dieu, nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Kalamakies de l'AFLAN International Ministries. Nous allons continuer sur notre programme que nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous avons repris les enseignements sur le salut. Il y a beaucoup de gens qui se fatiguent à écouter les enseignements sur le salut. Ils se disent que ah, c'est trop élémentaire, vraiment. Mais je vous rappelle que dans une église, c'est comme à la maternité, bien dans un hôpital, à la pédiatrie, il y a toujours des nouveaux-nés. Quand on enseigne les enseignements élémentaires, et puis on va, comme Hébreux 6, 1 à 4 nous dit, dans l'enseignement plus solide, mais après il faut toujours revenir en arrière pour enseigner encore les éléments de l'Évangile, parce qu'il y a des nouveaux venus à l'Église qui ne les connaissent pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous allons revenir sur l'enseignement de base, pour bien former les nouveaux venus, bien les gens qui sont ici depuis 2 ans, ils ont besoin du lait. Alors, dans cette série d'enseignements, nous allons voir, nous avons déjà vu l'origine de l'homme, la semaine passée, 2, les problèmes de l'humanité, la chute de l'homme, 3, la solution de l'humanité, c'est Jésus. Et puis 4, le processus de croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement du problème de l'humanité, c'est-à-dire la chute de l'homme. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Nous sommes tous pécheurs. C'est le péché au singulier. Nous sommes toujours tous pécheurs. La chute de l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, sont tombés dans le péché. C'est ça qu'on appelle la chute de l'homme. Malgré que le mot chute n'est pas dans la Bible, mais ça donne l'idée que les gens sont tombés dans le péché. Après la création, Dieu planta son jardin qui s'appelait Jardin d'Éden. Dieu prit l'homme qu'il a créé et le plaça dans son jardin. Selon Genèse 2, verset 8, nous lisons, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. » Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a mis l'homme dans son jardin qu'il avait planté à Éden. L'homme n'a pas été créé dans ce jardin. Il était créé en dehors du jardin. Mais Dieu a trouvé ses biens de planter un jardin pour faire plaisir à son homme. Il a planté le jardin, il a mis l'homme. Mais quand Dieu te met quelque part, mon cher ami, il doit avoir des conditions. Alors, Adam et Ève étaient dans le jardin de Dieu. Donc, ils étaient chez Dieu, selon Lévitique 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, dit l'Éternel, car vous êtes chez moi. Vous entendez bien, Dieu dit que nous sommes chez lui, comme étrangers et comme habitants. Donc, Ève et Adam étaient habitants du jardin de Dieu. Ils étaient chez Dieu. Dieu les a mis là-bas, le jardin appartient à Dieu, c'est lui qui l'a planté. Alors, s'il te met dans son jardin, tu dois obéir aux conditions de ce jardin, autrement il va te chasser. Alors, étant chez Dieu, Adam et Ève, ils doivent obéir et respecter les commandements de Dieu qui leur permettront de vivre dans ce jardin. Vous voyez que si vous respectez les commandements de Dieu, tu vas vivre dans ce jardin. Comme nous aussi les chrétiens, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons reçu Christ. Mais si nous respectons ces commandements, ce que nous l'aimons, nous allons vivre heureux dans le royaume de Dieu. Si nous ne les respectons pas, nous allons avoir des problèmes. Mais je crois que ce qui s'est passé avec Adam et Ève, nous aussi nous le faisons de temps en temps. Alors je répète encore, je dis ceci. Étant chez Dieu, Adam et Ève, ils doivent obéir absolument et respecter les commandements de Dieu. Ces commandements, cette obéissance va leur permettre de vivre longtemps dans le jardin de Dieu. Son commandement était celui-ci, Genèse 2, versets 16 à 17. Dieu a dit ceci,
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes chers amis, je vais vous donner un conseil. Quand Dieu dit « ne mangez pas », « ne mangez pas », même si quelqu'un d'autre venait te dire le contraire, il ne faut pas le suivre. Parce que Dieu t'aime plus que n'importe qui sur la terre. Comme il est amour, il ne peut pas te faire du mal. S'il t'interdit de manger ce fruit-là, il sait pourquoi, ça ne te profitera à rien. Mais souvent l'homme s'entête toujours. Quand Dieu dit non, Satan est entré dans le jardin, il a menti à Adam et Ève, ils ont écouté Satan. Cela veut dire qu'ils ont dit à Dieu qu'il est menteur, bon, il ne les aime pas, pourquoi il doit manger ceci, il n'est pas mangé cela. Alors quand Dieu t'interdit, mon cher ami, il ne faut pas désobéir. Tout ce que tu vas trouver au-delà de ce que Dieu t'a défendu, ça ne te donnera aucun bien ou bien ça ne te profitera jamais. L'exemple en est que dès qu'ils ont mangé l'arbre défendu, ils se sont trouvés qu'ils étaient nus. Alors quel genre de révélation? Est-ce que ça leur a profité? Et puis en plus, ils sont morts spirituellement. Donc à partir d'aujourd'hui, quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit ne commettez pas l'adultère. Donc, il n'y a pas mieux que ça. C'est la meilleure des choses. Ne commettez pas. Si vous commettez, il y a des sanctions. Même la punition ne s'exécute pas aujourd'hui, selon Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Mais soyez sûrs, un jour ou l'autre, tu vas les rencontrer. Alors, nous savons l'histoire. D'après Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc, ils ont désobéi et ont mangé le fruit défendu. Maintenant, les conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme ils habitaient chez Dieu, dans son jardin, comme ils n'ont pas obéi, Dieu a fait quoi? Tout simplement, ils ont été chassés du jardin selon Genèse 3, 23. Alors, je vous ai dit aussi, dans notre pays, même aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui sont chassés du Congo, ils vont à l'étranger. Ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une malédiction parce qu'ils se sont mal comportés dans le pays de la RDC, qui appartient à Dieu, ils étaient chez Dieu. Certains voyages à l'étranger n'est pas une bénédiction. Dieu les chasse pour les faire partir en exil à l'étranger. Voilà. Alors, nous allons voir Genèse 3, 23. L'Éternel Dieu les chassa du jardin, vous voyez, d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Je crois que là où il a été pris n'était pas meilleur que le jardin d'Éden. Voilà l'homme. Dieu crée quelque chose de bien pour toi, mais tu ne veux pas respecter les commandements, les conditions. Maintenant, vous retournez encore dans le malheur. Selon Genèse 2, 16, 17, ils sont morts. Voilà les conséquences. Quel genre de mort? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, les gens lisent la Bible, ils regardent Adam et Ève, physiquement ils ne sont pas morts, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, oh, nous avons à cause. Nous disons ceci, mais cette mort est une mort spirituelle et non physique. La mort physique d'Adam est intervenue 930 ans plus tard. Cette mort spirituelle sépara l'homme d'avec Dieu. L'homme devient l'ennemi de Dieu. Vous voyez, Dieu n'a pas d'ennemis, ce sont nous qui devenons ennemis de Dieu. Le Saint-Esprit qui était dans l'homme, dans Adam et Ève, le quitta. Ce qui fait que
le jour de Pentecôte, nous avons été bénis, l'Esprit Saint est revenu encore dans le corps de l'homme, après plusieurs millénaires. L'homme a quitté le royaume de Dieu parce qu'il a péché et il est entré dans le royaume de Satan. Satan est un royaume, lisez dans la Bible, vous allez trouver ça. Ou encore, l'homme est né dans le royaume de Satan. Donc, il est né, il n'était pas là. Cela constitue la première naissance. Il y a des gens qui confondent la Bible. La première naissance spirituelle, ce n'est pas le jour où tu es né physiquement. C'est le jour où tu as péché, tu as quitté le royaume de Dieu, tu es parti dans le royaume de Satan. Ça, c'était ta première naissance. Alors quand Jésus viendra, il dira à Nicodème, il doit être né de nouveau. Deuxième naissance, voilà, elle est spirituelle. Par cette première naissance, l'homme devient esclave de Satan, selon Romains 6, verset 16 et 2 Pierre 2, 19. Lisons. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance conduit à la justice. 2 Pierre 2, 19, il dit ceci, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà, l'homme est devenu esclave de Satan. Alors Jésus aussi a dit quelque chose. L'homme, Satan devient le père de l'homme, son père, selon Jésus dans Jean 8, 44. Ça, c'est Jésus qui parle. Je crois que vous n'avez pas à discuter avec ça. Donc, quand vous avez quitté le royaume de Dieu, tu es allé chez Satan. Satan est devenu ton père. Lisons ce que Jésus dit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, Satan. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc aujourd'hui, quand tu n'as pas reçu Jésus, ton père est bien Satan. Toi, tu es enfant de Satan, tu es né dans le péché selon Psaume 51. Verset 7. Lisons encore 1 Jean 3, 10. Eux, ils sont devenus enfants de Satan. C'est-à-dire que Adam et Ève sont devenus enfants de Satan. Selon 1 Jean 3, 10, il est dit ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Le verset ici, ce qui nous intéresse, c'est seulement de voir qui parle de deux sortes d'enfants. Il y a l'enfant de Dieu et l'enfant de Satan. Gloire à Dieu. Alors, nous progressons. Après le péché, l'homme se trouve dans le royaume de Satan. On vient de le voir. Satan est devenu son père et lui, on l'appelle enfant de Satan. C'est ce péché qui est la racine de tous les péchés et tous les maux dans ce monde. C'est le problème de l'humanité. Le péché est le problème de l'humanité. Pas d'autre chose. Adam et Ève ont commis un péché, des désobéissances. Ils sont devenus pécheurs. Ce péché s'est transmis à nous tous aujourd'hui et l'on appelle ce péché péché originel, selon Romains 5, 12 à 14. Nous lisons Romains 5, 12 à 14. Il est dit ceci, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Quand il est dit, le salaire du péché, c'est la mort.
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, comme toi et moi, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, donc, nous sommes tous pécheurs sans exception. Nous venons de le voir. Alors, je crois qu'on aura besoin de la solution. Alors, la solution, c'est qui? La solution, c'est toujours Jésus. C'est le médiateur entre l'homme et Dieu. La Bible dit, c'est un homme. Donc, notre médiateur, c'est un homme et non une femme. Si vous trouvez qu'il y a une femme qui est médiateur entre l'homme et Dieu, ça, c'est la sorcellerie. N'y prêtez pas d'attention. La Bible déclare notre médiateur, c'est-à-dire celui qui est entre l'homme et Dieu, s'appelle Jésus, c'est un homme. Si nous trouvons un autre médiateur qui n'est pas Jésus, ça, c'est de la foutaise. N'y croyez pas. Ça ne peut pas être un homme. Médiateur veut dire, il a les deux natures. Il est Dieu et il est Dieu homme. Médiateur, c'est comme un interprète. S'il doit interpréter, celui qui parle en anglais et celui qui parle en français, l'interprète en question doit connaître les deux langues. Il doit parler français, il doit parler aussi anglais. Car la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Donc Jésus a les deux natures. Il a la nature de Dieu, il a la nature de l'homme. Voilà ce qui les qualifie pour être médiateur. Être médiateur. Maintenant, montre-moi quelqu'un d'autre qui a ces caractéristiques de Jésus. Il est homme et puis il est Dieu. Je crois que tu peux chercher pendant longtemps, tu ne trouveras personne. Alléluia. Alors je disais que la solution, c'est Jésus. C'est le médiateur entre l'homme et Dieu. L'homme étant pécheur, sa deuxième naissance interviendra quand l'homme va quitter le royaume de Satan et entrer dans le royaume de Dieu. Je reprends encore pour votre compréhension. La première naissance, c'était quoi? C'était que l'homme a quitté le royaume de Dieu et il est entré dans le royaume de Satan. Maintenant, la deuxième naissance, qui est spirituelle, interviendra quand l'homme va quitter le royaume de Dieu, le royaume de Satan, pardon, et il va entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, pour cela, il doit être arraché du royaume de Satan et transporté dans le royaume de Dieu. Alors, ceux qui aiment toujours parler de la délivrance, mon cher ami, tu vois ce qui se passe ici, spirituellement, tu es transporté du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Je crois que pendant ce transport, je ne sais pas à quelle vitesse, je crois que ça doit être une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Tous les liens, toutes les malédictions que tu avais, que tu as reçues de Satan, ils sont brûlés, ils sont coupés, ils sont anéantis parce que le transfert a été tellement rapide, c'était instantané. Donc, ne te donne pas de soucis sur les liens de tes parents, de tes frères, je ne sais pas, des villageois, des rois, des moamis. Occupe-toi seulement de Jésus qui t'a transporté du royaume de Satan rapidement au royaume de Dieu. Donc tu es là maintenant, tu es chez Dieu. Alors chez Dieu, il n'y a pas de salité. Donc tu es propre, tu es justifié, tu n'as plus de péché parce que tu as reçu Jésus. Alors l'homme doit passer du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Voilà. Là où tu es maintenant. Et tu dois passer de la puissance de Satan à Dieu. Selon Colossiens 1, 13, acte 26, 18. Lisons. Colossiens 1, 13. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez bien, tu as été délivré
de la puissance des ténèbres, de Satan. Maintenant, tu es libre, tu es dans la lumière. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça que tu dois croire. La Bible dit, il sera fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Si tu as reçu Jésus, tu crois toujours que tu es dans les ténèbres, voilà, vous serez dans les ténèbres. Mais si vous croyez que vous êtes dans la lumière, les travails de Satan, les ténèbres disparaissent. Acte 26, 18 aussi dit ceci, quand Jésus est apparu à Paul, voilà, il n'a pas parlé de délivrance, allait délivrer les gens, et écoutez ce qu'il lui a dit. Jésus a dit à Paul, suivez bien, premièrement, afin qu'il te leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Avant de recevoir Jésus, tu es assis dans les ténèbres. D'accord, c'est Jésus qui parle. Quand vous le recevez, maintenant, vous serez transféré dans le royaume de lumière. Ça, c'est un. Deux, Paul va vous ouvrir les yeux pour que tu passes de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez qu'il y a un transfert. Maintenant, tu es chez Dieu. Comme nous venons de le voir, Adam et Ève étaient chez Dieu. Alors, tu as intérêt à obéir ce que Dieu va te dire et à le respecter pour continuer à rester chez Dieu. Autrement, il va te chasser. Alors, troisièmement, il dit ceci, ouvrez-leur les yeux pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. C'est-à-dire, pour qu'ils reçoivent, quand ils vont croire en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tu vois ici, quand tu crois en Jésus, tu reçois le pardon de tes péchés, les péchés mignons, les péchés véniels, les péchés capitaux, les péchés triangulaires, les péchés polygonales, quelle que soit la forme de tes péchés, circulaire, triangulaire, carré, rectangulaire, Dieu te pardonne tes péchés. La Bible nous dit dans Luc 24, verset 47, que le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Tu vois qu'on doit prêcher le pardon de péchés, prêcher le pardon des péchés et non condamner les gens. Alors, pour ce faire, Dieu doit te purifier, bien nous purifier et nous pardonner. Mais, pour pardonner l'homme, Dieu a besoin du sang, selon Hébreux 9, 22. Nous lisons, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » Donc, le sang qui représente la vie de quelqu'un devait être répandu pour le pardon des péchés. Mais si vous avez lu l'Ancien Testament là-bas, ils utilisaient le sang des animaux. Mais nous voyons que le sang des animaux ne suffit pas pour recevoir le pardon des péchés. Même la Bible le confirme, selon Hébreux chapitre 10, verset 4, il dit ceci, « Car il est impossible que le sang des animaux, des taureaux et des boucs, ôte les péchés. » Mais nous savons que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà. Alors, comme le sang de bouc, de chèvre, je ne sais pas, de vache, ne peut pas ôter les péchés, il nous reste seulement une seule solution, c'est seulement le sang précieux de Jésus. Alors, par le sang précieux de Jésus, qu'est-ce que nous avons? Quel avantage nous avons? Alors, la Bible nous dit que par le sang précieux de Jésus, nous avons été purifiés de tout péché selon 1 Jean chapitre 1, 7. Quand tu es purifié, c'est-à-dire qu'on a arraché les péchés, on a effacé, même si tu prends le microscope pour regarder là où étaient les péchés, tu ne les trouveras pas. Ça sont des choses que nous devons croire dans notre cœur. Je répète encore, il est dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois vraiment que tes péchés ont été purifiés, alors les péchés passés
ne te feront plus de problèmes. Mais si tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, il a fait la rémission des péchés, il t'a purifié, il t'a justifié, il a oublié tes péchés, il les a jetés au fond de la mer, il les a jetés à l'est, parce que toi tu étais à l'ouest. Si toi tu ne crois pas, les péchés passés continueront toujours à te hanter, à te tourmenter. Alors là, tu vas passer beaucoup de délivrances. Plus que tu en fais, plus ça s'aggrave encore. Donc, tu dois croire que par le sang précieux de Jésus, moi et toi, nous avons été purifiés de tout péché. Quels que soient les péchés, mignon, capital, véniel, quel péché encore? Circulaire, trapézoïdal, rectangulaire, tous ces péchés ont été pardonnés. Que ce soit un péché trapu, il est pardonné. Pointu, il est pardonné. Mais c'est toi qui dois croire que, comme tu as reçu Jésus, tes péchés ont été pardonnés, tu as été purifié de tout péché. Si tu le crois, alors tu auras la paix. Si tu ne le crois pas, tu seras toujours tourmenté par les péchés du passé. Dieu ne te demande pas de confesser les péchés du passé. Tu ne connais pas le nombre et tu n'as pas le temps pour les confesser. Parce que quand tu vas commencer à les confesser, tu vas commencer à mentir. Combien de fois j'ai commis l'adultère? Bon, c'est 3 fois, c'est 4 fois. Bon, pour être sûr, j'ai mis 10 fois. Tu as menti. Tu vois. Alors si tu mens, tu commets un autre péché. Donc Dieu savait que l'homme, il est incapable de confesser ses péchés passés. C'est pour cela qu'on nous a donné ce qu'on appelle la rémission du péché. La rémission du péché, on t'a remis tous les péchés, on n'en tiendra plus compte. Alors Jean 1, 7 nous dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme nous sommes enfants de lumière, nous sommes dans le royaume de lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie encore de tout péché. » Est-ce que, d'accord, le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Quand on te purifie, on ne verra plus ce qui était là. Quand j'ai un linge, s'il y a des taches de sang, je les mets dans l'eau, je mets du savon, je mets, je ne sais pas, de javel, quoi. Dès que c'est terminé, je ne saurais plus reconnaître les tâches, sauf ceux qui veulent reconnaître les péchés passés. Donc, à partir d'aujourd'hui, abandonnez cette histoire-là de confesser les péchés passés, de les écrire sur un papier, aller donner à l'homme de Dieu, et puis il va prier pour toi. Dieu t'a pardonné et t'a donné la rémission des péchés. Alors, par le sang de Jésus aussi, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Nous voyons que nous avons reçu la rémission des péchés dont j'ai parlé, selon Matthieu 26, 28. Remettre, quand tu es au tribunal, le juge te remet, c'est-à-dire que le procès est terminé, il ne va plus te poursuivre. Alors, la rémission des péchés, Dieu ne tient plus compte de tes péchés passés. Alors, Matthieu 26, 28 dit ceci, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, voyez ça, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et la Bible dit cette rémission des péchés, selon Luc 24, verset 47, devrait être prêchée partout, à commencer à Jérusalem et jusqu'à l'extrémité du monde. Nous devons prêcher la rémission des péchés et non la condamnation des péchés. Gloire à Dieu. Éphésiens 1, 7 nous dit ceci, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Voilà. Donc, tranquillise-toi, tes péchés ont été pardonnés dès que vous recevez Jésus. Il y a encore un autre avantage pour le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus nous permet aussi de nous rapprocher de Dieu, selon Éphésiens 2, 13. Colossiens 1, 20, nous avons été rapprochés de Dieu. Parce que nous avons vu au début de notre enseignement, à cause des péchés d'Adam et Ève, nous étions séparés d'avec Dieu. Et maintenant, le sang de Jésus nous a permis
d'être rapproché avec Dieu. Nous lisons Éphésiens 2, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous voyez ça, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Écoutez bien, les pécheurs, les enfants de Satan, eux, ils sont jadis éloignés de Dieu, séparés. Mais quand on reçoit Jésus, maintenant, nous sommes rapprochés par le sang de Jésus avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 20 nous dit ceci. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu. Gloire à Dieu. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà, nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, votre vie en tant que chrétien, tu dois toujours avoir la paix en toi. Si tu as perdu ta paix, confesse ton péché, viens aller voir l'homme de Dieu pour t'aider à retrouver ta paix. Nous avons la paix, selon la Bible, avec Dieu, par Jésus-Christ. Alors, cette opération qui permet que l'homme quitte le royaume de Satan, qui vienne au royaume de Dieu, ou bien qu'il quitte la puissance de Satan à Dieu, ou bien qu'il quitte le royaume des ténèbres vers la lumière, ça s'appelle tout simplement, cette opération s'appelle simplement la nouvelle naissance. Ou bien naître de nouveau, ou bien naître d'en haut, naître d'esprit, ou bien avoir le salut, ou bien se repentir. Donc, l'opération qui fait que quand tu as reçu la nouvelle naissance, cette opération là-bas te permet de quitter le royaume de Satan pour entrer au royaume de Dieu. Bon, les gens appellent ça de beaucoup de façons. Tantôt c'est naître de nouveau, tantôt naître d'en haut, naître d'esprit, avoir le salut, se repentir. Ce sont des synonymes. Cette opération est obtenue par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, ou bien, il y a des gens qui disent, quand tu le reçois, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, les autres disent ceci, quand tu te répands. Et les autres aussi disent ceci, quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est ça, cette opération-là, qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu as cru en Jésus, tu as confessé ta foi en Jésus. Quand tu fais cela, tu es à l'instant même transporté du royaume de Satan au royaume de Dieu. Voilà. Ce que nous avons à dire aujourd'hui, je crois que vous m'avez suivi. La prochaine fois, on va parler de la croissance, parce qu'on a vu d'abord l'origine de l'homme, on a vu les problèmes, aujourd'hui on a vu la solution. Et maintenant, quand tu reçois Jésus, tu es né de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu. Alors, comme d'habitude, je vais prier pour vous qui m'avez suivi. Si aujourd'hui tu sais vraiment que tu n'as pas de paix dans ton cœur, si tu mourrais aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas aller au ciel, bien en enfer, mais une chose qui est sûre, c'est l'enfer qui t'attend parce que tu n'as pas reçu Jésus. Aujourd'hui même, tu peux recevoir Jésus pendant cette émission parce que je vais prier pour toi, je vais vous donner l'occasion de recevoir Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons toujours avoir un petit message d'évangélisation, pour que les gens reçoivent Jésus, pour que les âmes soient sauvées. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, pour sauver les âmes perdues. Il est notre sauveur. Alors, si tu es là-bas, maintenant, fermez les yeux, nous allons prier avec toi. Je crois que c'est tellement important. Arrête d'abord ce que tu es en train de faire là-bas. Alors, mettez vos mains vers l'écran, bien sûr, fermez les yeux. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Moi, je vais la prier. Toi, tu vas la répéter. La prière que je vais prier, ce n'est pas une prière magique, c'est simplement le verset de Romains chapitre 10, verset 9, qui dit ceci, « Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu confesses de ta bouche Jésus est le Seigneur, et en même temps, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Nous sommes sauvés parce que Jésus est ressuscité des morts. » S'il n'était pas resté des morts, on serait perdu. Voilà. Fermez les yeux. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te loue. Je te remercie. J'ai compris aujourd'hui. C'est le sang de Jésus
qui m'a sauvé. C'est le sang précieux de Jésus qui a payé la rançon. Merci Seigneur. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois à l'instant même dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur, je deviens prospère. Au nom de Jésus. Si tu as prié cette prière-là, soyez sûr que tu es sauvé. Maintenant, tu es dans le royaume de Dieu. À partir de maintenant, on t'appelle bébé spirituel. Enfant nouveau-né. Est-ce que tu as compris ce que tu y es? Alors, les prochaines fois, on va te montrer qu'il faut prendre le lait maternel pour grandir comme un homme physique grandit. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne la mangez pas, vous ne la buvez pas, vous serez toujours un bébé très faible. Alléluia. Alors, je vais prier rapidement. Si vous avez un problème quelconque, levez les mains. Je vais libérer la guérison sur toi. Je vais libérer la prospérité sur toi. Et tu reçois n'importe quoi que tu as besoin. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. En tant que ton serviteur, tu m'as mis ici pour aider ta population. Merci Seigneur, par l'action de l'Esprit Saint qui est en moi et par les paroles qui me sont données, je prononce la guérison, quel que soit les cas qui les tracassent. Merci Seigneur, que toi tu les entoures de ton amour. Merci Seigneur pour la consolation qui vient de toi. Ceux qui sont dans le malheur, Seigneur, console-les maintenant. Au nom de Jésus, ceux qui sont blessés dans leur cœur, Seigneur, arrange leur cœur, guéris ça, au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas de solution, qui sont prêts à se suicider parce qu'ils sont dans le désarroi, Seigneur, sauve-les, au nom de Jésus, ce n'est pas la première fois. Je te loue, Père Céleste, au nom de Jésus, que ceux qui m'ont écouté ont reçu les désirs de leur cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous vous saluons une fois encore dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour ses enseignements qui nous ont bénis encore une fois ce matin. Que le Seigneur soit béni pour sa parole et qu'il soit béni pour son serviteur. Comme vous l'avez vu, nous avons appris aujourd'hui le salut. La partie du salut qui nous a dit que le problème de l'homme ou le problème de l'humanité, c'est le péché d'Adam et Ève. Nous bénissons le Seigneur et je crois que cette parole va porter de fruits et que le Saint-Esprit nous aide à mettre cette parole en pratique. Frères et sœurs, nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos bureaux, en train de suivre ce programme et que le Seigneur vous bénisse. À nos frères et sœurs qui viennent de donner leur vie au Seigneur aujourd'hui, vous qui avez reçu le Seigneur aujourd'hui dans vos vies, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. L'église Lifeline est prête à vous recevoir. Nous nous situons sur l'avenue Chef Kinzone du numéro 27/28 dans la commune de Bandalungwa, Aré, Maman Colonel. Pour tous ceux-là qui veulent rencontrer le pasteur, ceux qui ont des témoignages, ceux qui ont un problème qui nécessite de voir le pasteur, n'hésitez pas. L'homme de Dieu reçoit chaque mardi et jeudi de 10h à 12h pour les avant-midi et de 16h à 19h pour les après-midi. L'église Lifeline reste ouverte pour tous les fidèles de Lifeline, mais aussi pour les frères et sœurs dans le corps du Christ, tous ceux-là qui ont leurs dîmes, leurs offrandes et autres contributions, vous pouvez passer à l'église. L'église est ouverte de lundi à vendredi à partir de 9h jusqu'à 17h. Pour ceux-là qui ne peuvent pas faire les déplacements vers l'église, vous pouvez nous faire parvenir vos dîmes, vos offrandes et autres contributions au numéro suivant 081 509 45 07. Je reprends 081 509 47 07 pour M-Pesa et au 089 911 3108 089 911 3108 pour Orange Money. Autre communication pour aujourd'hui, nous vous invitons encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube Lifeline Congo, à aimer, à partager nos différentes publications sur notre page Facebook.
Lifeline Congo. Et nous avons un élément en plus, c'est le site Lifeline, le www.lifelinecongo.org, qui est déjà disponible. Pourquoi ce site et quel est l'avantage qui est lié à ce site? Au travers de ce site, vous allez mieux découvrir l'Église Lifeline depuis sa création jusqu'à nos jours. Vous qui avez besoin des enseignements, des confessions, des exhortations, pourquoi pas les différentes activités de l'Église, les horaires. Tout cela, vous y trouverez dans notre site, mais aussi nos différentes louanges et adorations. Tout à l'heure, nous avons été bénis par la chorale. À travers de notre site, vous pouvez aussi consulter nos chants, nos adorations, et le Seigneur vous fera énormément du bien. Alors, nous vous invitons à passer vers notre site et à découvrir les différentes surprises que le Seigneur vous réserve au travers de ce site Lifeline. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Amen.